Maintenant, revenons sur la situation en Israël, cette guerre entre Israël et le Hamas. Israël qui a entamé la deuxième étape de sa guerre contre le Hamas à Gaza. L'armée israélienne qui dit avoir frappé plus de 600 cibles dans l'enclave palestinienne au cours des 24 dernières heures. On va faire le point ce matin avec Ferry de Kerkhove, qui est ancien ambassadeur du Canada en Égypte. Bonjour. Bonjour. Donc, on dit avoir détruit des dépôts d'armes, des dizaines de positions de lancement de missiles anti-chars, des caches utilisées par le mouvement islamiste. Quelle lecture vous faites actuellement de la situation là-bas? D'un côté, je suis horrifié de voir l'étendue des désastres, des destructions à Gaza. Le côté humanitaire est épouvantable. Ouais. D'un autre côté, je me dis le plus rapidement on en finit de cette affaire et que finalement Israël réussisse à détruire le Hamas et que l'on reconstruise et que l'on parte sur de tout nouveaux frais. Mais pour l'instant, la situation est désastreuse. Il y a très, très peu, semble-t-il, de véritable respect des vies humaines. On parle même de bombarder l'hôpital Al-Shifa. Enfin, la situation est tellement épouvantable que je me demande même comment peut-on continuer quand on est à Gaza à même vivre. Et d'ailleurs, il y en a qui disent qu'ils préfèrent mourir finalement que d'essayer de trouver une issue. C'est vraiment assez catastrophique. Vous avez parlé de la situation qui est difficile là-bas, la communauté internationale, l'ONU aussi, on en appelle à un cessez-le-feu qui visiblement n'est pas respecté. Qu'est-ce que ça vous dit, ça, sur le pouvoir, entre autres, de l'organisation internationale? Ça veut très simplement dire que l'organisation internationale que l'on a créée en 1945 n'est plus du tout pertinente, parce qu'il faut quand même se rappeler que Israël, dans le contexte global du conflit israélo-palestinien, a fait l'objet de quantités de résolutions du Conseil de sécurité exécutoires et recommandatives à l'Assemblée générale, mais ne les a jamais appliquées, ce qui fait que maintenant, ces résolutions, premièrement, sont extrêmement difficiles à être endossées au Conseil de sécurité parce qu'il y a toujours les Américains qui exercent leur droit de veto d'un côté, et puis les Russes et les Chinois sur d'autres versions. C'est vraiment terrible. C'est pour ça que la seule chose à laquelle on accorde vraiment l'attention, c'est la dimension humanitaire de toutes ces organisations des Nations Unies qui, en dehors du côté politique que l'on peut carrément mettre de côté, qui, elles, sont engagées sur le terrain. Et là encore se pose la question, est-ce que l'accès complet, total de l'humanitaire va être autorisé? Est-ce que c'est un crime de guerre que de ne pas laisser la pénétration de toutes ces organisations? Alors la question se pose, mais pour l'instant, du côté israélien, je vous dirais que la vie humaine des Palestiniens ne compte pas guerre et qu'ils veulent en finir coûte que coûte. Mais le problème, c'est qu'au sein de la communauté internationale, au sein de l'humanité que nous présentons, les horreurs du 7 octobre finissent par être évacuées dans l'esprit et que l'on ne constate que cette destruction est épouvantable. Oui, on veut détruire le Hamas côté Israël et libérer les otages au détriment, justement, de la vie des citoyens palestiniens. Vous l'avez évoqué, c'est très difficile pour le travail humanitaire en ce moment. Il y a ces camions de vivres qui s'entassent à la frontière de Rafah. On laisse entrer tout ça au compte-gouttes. On manque de carburant. Les hôpitaux ne peuvent plus fonctionner. Vraiment, c'est une situation très catastrophique là, pour la population. Il y a des milliers, des millions d'enfants qui sont touchés là-dedans aussi. La mort de milliers d'enfants, parce que là, on est rendu à près de 10 000 ou 12 000 Gazéens qui sont morts, mais là-dedans, il y a 3 000, 4 000 enfants. Enfin, c'est absolument épouvantable. Et quand on parle du ravitaillement, je sais qu'on s'étonne que des gens se soient emparés des peu de choses qui existent. Il faut se rappeler que normalement, à Gaza, c'est 200 camions par jour et que là, maintenant, on en a juste rentré dans les 3-4 dernières semaines à peu près 250 à 275. Alors, la situation est épouvantable et je comprends parfaitement l'horreur que M. Guterres, le secrétaire général de l'ONU, exprime, que UNRWA, enfin, tous ces organismes sont absolument horrifiés. Et d'un autre côté, on se rend compte que du côté israélien, il n'y a pas de ralentissement, mais en revanche, le monde arabe commence à vraiment s'inquiéter. L'Égypte, qui a généralement toujours été assez proche d'Israël pour des raisons que l'on connaît, vraiment, c'est une tempête de plus en plus grave. Mmh. Il y a le risque, évidemment, du Hezbollah qui, lui aussi, va finir par en découdre, peut-être. Alors, et tout ça se fait dans une atmosphère où véritablement la vie humaine compte pour très peu. Et c'est là où les Arabes disent, écoutez, vous êtes très, très anxieux pour les vies des Israéliens, mais vous ne semblez pas avoir la même préoccupation des vies arabes. Alors,
faut pas oublier que tous ces régimes dans les pays arabes sont la plupart des totalitaires, mais que la foule arabe finit par s'exprimer également. Elle est réprimée, mais il y a un moment donné où ça va éclater. Alors, il faudrait qu'on en finisse le plus rapidement possible, mais quand Netanyahou vous dit « Oh, ça va prendre encore beaucoup de temps parce qu'ils veulent absolument protéger le plus possible leurs propres troupes », vous savez, on entend parler de 100, 200, 300, 400 morts d'un côté, et puis de l'autre, il y a un ou deux soldats israéliens. Ouais. J'admire la tactique, mais les résultats sont assez épouvantables. Et là, il y a la tension aussi qui commence à se faire de plus en plus sentir à la frontière entre Israël et le Liban, par exemple, la Syrie, tout ça. Donc vraiment, une guerre qui risque de s'étendre. Merci beaucoup, Ferry de Kharkov, ancien ambassadeur du Canada en Égypte, d'avoir été avec nous.